Les rollers doivent être positionnés à la largeur des épaules, ces dernières perpendiculaires au sol. Trouvez votre point d'équilibre, ni trop penché en avant, ni trop penché en arrière. Pour les longues distances, adoptez cette flexion, les mains sur les genoux, bras tendus. Pour un sprint, fléchissez plus. Plus vous serez bas, plus vous développerez de la puissance et gagnerez en vitesse. Cette flexion sera de l'ordre de 90 degrés. Attention à ne pas avoir les genoux qui rentrent et les rollers qui partent en quart interne. Également, évitez de trop écarter les jambes. Vos patins partiraient alors en quart externe. Vos épaules doivent bien rester parallèles au sol. Faites attention qu'elles ne vrillent pas. Trouvez le juste équilibre, ni trop penché en avant, ni trop penché en arrière. Une fois votre poussée effectuée, il faut maintenant être capable de rouler longtemps sur votre jambe d'appui. Pour cela, il va falloir aligner les différents points de votre corps afin de tenir en équilibre. L'alignement doit être le suivant: le nez, le milieu des hanches, le genou et enfin les rollers. Les épaules sont parallèles au sol et perpendiculaires à votre direction. Pour cet exercice, patinez en gardant les deux rollers au sol, tout en pensant à garder le bon alignement. Sur chaque foulée, décollez légèrement la jambe tendue afin de rester en équilibre sur la jambe d'appui. Cet exercice en équilibre en roller sur une jambe vous permettra de travailler l'équilibre lors de la phase du ramené du roller. Pour cet exercice, gardez bien les genoux serrés. Pour cet exercice, alternez l'équilibre jambes tendues côté et l'équilibre genoux joints. Si vous gardez le corps entre les jambes, vous ne parviendrez pas à trouver l'équilibre. Pensez toujours à l'alignement nez, hanche, genou et roller. De même, ne vrillez pas vos épaules, gardez-les bien dans l'axe. Ne posez pas votre roller en quart externe, cela vous fait aller de droite à gauche et vous parcourez beaucoup plus de distance qu'il n'en faut. Évitez que vos chevilles se cassent à l'intérieur.
gardez-les bien dans l'axe. De même, évitez que vos chevilles se cassent vers l'extérieur. De la position de base, il va maintenant falloir vous propulser afin de pouvoir avancer. Poussez latéralement, jambes tendues. Pensez toujours à avoir une bonne flexion. Attention, ne poussez pas vers l'arrière, vous perdrez beaucoup en efficacité. Attention, votre propulsion ne doit pas aller vers le ciel, mais vers l'avant. La poussée ne s'effectue pas seulement avec la force des jambes, mais aussi avec le poids du corps. Pour cela, soyez tenu par un autre patineur et laissez tomber votre poids du corps. Attention à ce qu'il n'y ait pas de cassure entre vos jambes et votre haut du corps. Restez bien dans l'axe. Pour cet exercice, enclenchez votre poussée et retardez au maximum le moment où vous posez votre roller au sol. Ainsi, vous apprenez à vous servir de votre poids du corps. Ce type de patinage n'utilise pas du tout le poids du corps. La foulée doit s'enclencher avant le retour de l'autre roller. Cette phase de transition est très importante car elle va déterminer le positionnement de la jambe d'appui et entraîner l'enclenchement de la poussée. Ramenez votre roller derrière votre jambe d'appui en effectuant un arc de cercle. La pointe de votre roller fermée est dirigée vers le bas grâce au relâchement de toute votre jambe. C'est le moment de récupération dans le mouvement de patinage. Pour cet exercice, ramenez bien votre roller dans l'axe derrière la jambe d'appui. Dans un deuxième temps, joignez vos genoux, puis enfin, enclenchez votre poussée. La pointe de pied ne doit pas être ouverte. Pensez bien à serrer vos genoux afin de bien ramener votre roller dans l'axe.
En roller, le mouvement des bras est très important. Il coordonne celui des jambes et doit donc être en harmonie avec ces dernières. Les bras doivent aller dans le sens de la marche. La main de votre bras gauche doit se positionner approximativement au niveau de votre œil droit. Gardez bien vos épaules parallèles au sol. Votre bras de derrière, quant à lui, doit être bien tendu. Le tout doit se faire dans le plus grand relâchement possible. L'accélération de vos balancements de bras fait automatiquement augmenter la cadence de vos foulées. Ne positionnez pas votre bras de devant tendu, mais gardez-le un petit peu fléchi. Faites attention que le balancement de vos bras n'occasionne pas un mouvement de votre corps de haut en bas. Cela vous fatiguerait pour rien. Faites attention que le mouvement de vos bras n'occasionne pas un vrillement de vos épaules. Ne soyez pas trop crispé. Pensez à balancer vos bras avec le plus grand relâchement. Attention, ne balancez pas vos bras trop de droite à gauche. Gardez-les bien dans l'axe. Ne balancez pas votre bras de devant plus haut que vos yeux. Cette technique est utilisée par certains patineurs de haut niveau. Avant de vouloir essayer de la réaliser, il est indispensable d'avoir de bonnes bases de patinage et de ne pas sauter des étapes. Contrairement à la foulée dite classique, à la phase de roulage vient s'ajouter une poussée en quart externe. Cela entraîne une inclinaison plus importante de votre corps. Positionnez votre jambe d'appui au niveau de votre épaule, soit un peu plus large que pour la foulée classique. Exercez alors une poussée simultanée des deux jambes. À la fin de cette dernière, vous retrouverez le positionnement initial de la foulée classique. La poussée en quart externe, quant à elle, se poursuivra tandis que l'autre roller revient dans l'axe jusqu'à croiser l'autre roller. Cela aide alors à rebalancer le corps pour la poussée en quart interne. Cet enchaînement de deux poussées successives peut rapidement faire mal aux jambes. Un total relâchement est important afin de bien récupérer dans la phase de ramener du patin. Cet exercice vous permet de vous habituer à prendre de l'angle en quart externe. Vous pouvez le faire à l'arrêt ou en roulant. Attention, pensez à bien garder le haut de votre corps dans l'axe de vos jambes. Votre jambe d'appui ne doit pas être positionnée plus large que votre épaule. Pour être efficace, la poussée en quart externe doit se poursuivre jusqu'à dépasser l'axe central de votre corps. Pour patiner dans un virage efficacement, il va vous falloir apprendre à croiser et à prendre de l'angle. C'est une des choses les plus difficiles à faire correctement en roller. Elle est la même qu'en ligne droite, mais attention, si vous voulez tourner, il va falloir vous pencher pour contrer la force centrifuge. Tenu par une autre personne,
laissez-vous tomber. Tout comme en ligne droite, gardez bien vos épaules perpendiculaires à l'axe de vos jambes. Vous pouvez également faire cet exercice en roulant. D'abord en ligne droite, puis en virage. Cette fois-ci, prenez un virage jambes parallèles, tenu simplement par la force centrifuge. Plus vous tournerez sec, plus vous devrez vous pencher. Vous vous pencherez plus ou moins, selon l'accroche du sol sur lequel vous pratiquez. Évitez de mettre le pied gauche trop en avant, vous perdrez en stabilité. Surtout, ne mettez jamais vos deux rollers en quart interne, sinon vous ne pourrez jamais tourner correctement. Gardez bien votre corps perpendiculaire au rayon du virage, ne le tournez pas trop à l'intérieur. Afin d'être efficace, la poussée latérale va être primordiale. Sans cela, vous pousserez dans le vide. Vous pousserez donc une fois en quart interne et une fois en quart externe. Tenu par un autre patineur, cet exercice vous permet de prendre de l'angle et de pousser de la jambe extérieure. Pensez bien à ne pas casser l'axe entre le haut du corps et la jambe. Allez bien jusqu'à l'extension complète de la jambe extérieure, ensuite ramenez bien vos rollers parallèles. Évitez au maximum de pousser du bout du roller. Gardez le plus longtemps possible les quatre roues au sol. Être bien fléchi dans un virage est primordial. Plus vous le serez, plus vous pousserez loin. Pour la poussée, le travail sur un 8 est un bon exercice de synthèse. Vous pouvez le faire soit en poussant uniquement de la jambe extérieure, ou bien en croisant normalement. De plus, l'exercice sur un 8 vous permet d'apprendre à croiser d'un côté et de l'autre. La phase de roulage dans un virage dépendra pour beaucoup de l'équilibre que vous arriverez à trouver sur chaque jambe. Cet exercice sur une jambe, tenu par un autre patineur, vous permet de vous entraîner dans les conditions d'un virage à grande vitesse. Vous pouvez le faire sur la jambe intérieure, mais également sur la jambe extérieure. Exercez-vous ensuite à le faire sans être tenu. Pensez toujours à garder vos épaules perpendiculaires à l'axe de votre corps. Cet alignement devra être le même sur la jambe intérieure . Pour cet exercice, vous pouvez enchaîner deux phases de poussée, une phase de roulage, et ainsi de suite.
Attention à ne pas casser votre alignement nez, hanches, genoux, roller. Évitez également de vriller votre corps à l'intérieur. Cela vous ferait entre autres pousser de la pointe de votre roller et ainsi perdre en efficacité. Cette phase de transition permettra de définir le moment et l'endroit où vous poserez votre roller au sol. Afin que vos phases de roulage et de poussée soient efficaces, pensez à bien ramener les rollers sous votre corps. Le droit près du gauche et vice-versa. Cela vous permettra d'avoir de bons appuis. Attention, si vous ne ramenez pas correctement le roller sous votre corps, vous aurez tendance à attaquer du talon. Le patin de votre jambe intérieure doit bien être positionné en quart externe. Si ce n'est pas le cas, vous aurez du mal à tourner et vous ne prendrez pas l'angle suffisant. S'il ne faut pas poser votre roller trop en avant, il est également déconseillé de le poser trop à l'intérieur. Vous voulez moins fatiguer ? Gardez votre place en peloton. Pour cela, patinez le plus serré possible dans le même pas. Vous serez alors dans l'aspiration et vous dépenserez beaucoup moins d'énergie. C'est également un moyen de bien conserver votre place en peloton. Un bon patinage à la même foulée demande du temps. Afin d'être plus à l'aise en peloton, régulez la distance avec l'athlète précédent en posant votre main sur son bas du dos. On considère que la distance suffisante est celle de l'avant-bras. Évitez au maximum de regarder vos pieds et concentrez-vous sur le mouvement des épaules du patineur précédent. Patiner à la même foulée dans un virage est un petit peu plus compliqué qu'en ligne droite. Cependant, avec de l'entraînement, vous y arriverez sans problème. En revanche, laissez un écart plus important avec le patineur ou précédent. Également, décalez-vous légèrement à l'intérieur afin que votre roller ne touche pas celui du patineur devant vous.
Une fois que vous savez patiner à la foulée, il va maintenant falloir vous déplacer dans un peloton. Pour sortir du peloton, laissez un espace avec le patineur vous précédant, puis prenez de la vitesse pour doubler. Pour rentrer dans le peloton cette fois-ci, anticipez un écart entre deux patineurs et réajustez-vous à la foulée de l'athlète devant vous. N'hésitez pas si nécessaire à vous appuyer légèrement sur le patineur. Il existe énormément d'exercices pour se déplacer en peloton. Celui-ci est un exemple parmi d'autres. Passez de la dernière position à la deuxième, puis repassez en tête immédiatement. Vous avez réussi à bien vous placer, mais attention, maintenant il va falloir garder votre place. Quand vous sentez le danger, collez l'athlète devant vous. Protégez votre place grâce à votre avant-bras ou bien votre épaule. Vous êtes en tête d'un peloton, pensez à relayer pour garder de l'énergie. Écartez-vous sans ralentir. Après avoir relayé, ne ralentissez pas, continuez à patiner, sinon vous auriez du mal à vous replacer dans le peloton. Sur piste ou sur circuit routier, la trajectoire que vous choisirez sera primordiale et déterminante pour votre placement final. Cependant, attention, la trajectoire idéale varie selon l'accroche du revêtement et selon que vous soyez seul ou en peloton. Voici donc quelques bases à connaître pour les trajectoires. Il est important de savoir que la corde est toujours le chemin le plus court. Cependant, afin de ne pas trop subir la force centrifuge et glisser, vous devrez arrondir votre trajectoire. Ainsi, comme vous l'indique la ligne bleue, si vous prenez à l'extérieur en entrée de virage, cela vous permettra de sortir à l'intérieur en sortie de virage. De la même façon, comme l'indique la ligne rouge, si vous entrez dans le virage à l'intérieur, vous sortirez du virage à l'extérieur. Vous devrez donc vous adapter à ces différentes lois de la gravitation afin de pouvoir doubler la personne devant vous. Parmi de nombreuses façons de doubler, en voici deux que vous pourrez utiliser aisément. Selon le positionnement de la personne vous précédant, vous choisirez de le passer soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Dans son premier cas, prenez l'extérieur de la piste, puis replongez à la corde en sortie pour essayer de doubler votre adversaire. Dans ce deuxième cas, piquez à l'intérieur en entrée de virage et ressortez un petit peu plus large pour éviter de trop glisser dans le virage. La pliométrie est une autre façon de travailler votre technique. Voici quelques exercices de renfort musculaire qui reprendront les gestes préalablement enseignés sur vos rollers. La position de base. Les jambes doivent être positionnées à la même largeur que les épaules. Pensez à avoir une bonne flexion à 90 degrés.
cet exercice, pensez à bien coordonner les mouvements de vos bras et de vos jambes. Pensez à l'alignement des points du corps, nez, hanches, genoux et pieds. Ces exercices vont vous aider à travailler la technique pour les virages. Voici maintenant des exercices avec déplacement.